Yo. Et c'est parti. Vous devriez pouvoir accéder à la base des extraterrestres avec ce passe-partout. Mais attention, vous n'aurez qu'une seule chance. Ne la gâchez pas. Subir à ces gens. Raison de plus pour tous les exterminer. Au boulot. Aucun ennemi en vue pour le moment. Mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. On s'attend à une forte résistance. Ils sont sûrement en train de se mettre en position. Bien, commandant. Bon. On dirait que nous avons trouvé où ils emmènent les victimes d'enlèvement. Mais ça n'explique pas ce qu'ils veulent en faire. Координаты получила. А вот и они. Estoy en marcha. Je me dirige vers la position. Boy. Ils veulent ma mort par ici. J'en prends plein la tronche. Thank you.
pas passé loin. J'aime pas ça du tout. Cible neutralisée. Estoy en camino. Je fonce. Они сваливают! Координаты получила. Марчандо. J'envoie. Je n'ai presque plus de munitions. Est tandem. Спешу. Я podemos seguir. Marchando. On se dirige vers les coordonnées. ¿Oís eso? Не может! Aliens detectados. Обойти хотят. Vigilad, los blancos se mueven. Affirmatif. Je suis prêt à y aller.
es hora de hacer. Ветер. Avec plaisir. Терпи, это просто царапина. Están retrocediendo. Thank you.
Afirmativo. Есть, выполняю. Enseguida. А вот и они. Sí, commandant. Marchando. Colocando minas. Estoy en camino. Disparo incendiario. Je me fais attaquer. Сейчас спрячемся! Живей! Affirmatif.
Tu n'iras nulle part. J'aurai bientôt plus de munitions. Mina a esa posición. Je confirme la position. Sistema de puntería. Enseguida. Направляюсь на точку. Je suis prêt. Боеприпасы!
On se dirige vers les coordonnées. Sí, comandante. Confirme la position. Non, je chevillisse. Me ha parecido oír algo. Nuevo blanco identificado. Pacificados. Compris, j'y vais. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien stocker dans ces réservoirs? Je bouge. Me muevo a la posición. En marcha. Направляюсь на точку. Confirmada.
Allá voy. Я уже там. C'est comme si c'était fait. Enseguida. Allá voy. Ça roule. Бегу. En route vers la position indiquée. ¿Oís eso? Ajá, me muevo. Ya voy. Давай. Je bouge. Что за чертовщина? Выполняю. Марта. C'est bon. Что это за звук? Unidades enemigas retirándose. Estoy en camino. En route vers la position indiquée. De acuerdo. Me muevo a la posición. Afirmativo, comandante. Saúl. En marcha. C'est comme si c'était fait. Ну же, шевелись. Allá voy. Allí voy.
Je me dirige vers la position. Bégum! C'était quoi ce bruit? Bien, chef! Et voilà! Prudence, n'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois où nous avons rencontré cet extraterrestre. За дело! J'y suis déjà. Corriendo. Voy a la ubicación designada. ¿Oís eso? Bientôt. Grenade! A ello voy, comandante. Направляюсь на точку. Position de tir. Bien sûr. Je fonce. Movimiento confirmado. Бегом! Я мигом. Ordre bien reçu. On bouge. Esperando la orden. Il a son compte. Je crois qu'on commence enfin à prendre le dessus. Grâce à ce dispositif, les extraterrestres n'ont plus beaucoup de secrets pour nous. Il est impératif que nous commencions les recherches au plus vite. Maintenant que nous avons ce dispositif, les extraterrestres risquent de se montrer encore plus agressifs.
Il n'avait sûrement pas prévu de le perdre. Centrale, ici Rapace. J'ai récupéré les enfants. On rentre à la maison. À vous. Bien reçu, Vaudou 3-1. On vous attend. Terminé. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous ne vous êtes pas dit qu'il était peut-être un peu tôt pour crier victoire? On a neutralisé leur base principale. On n'a plus aucune alerte sur le système entier. Et on a tué leur leader. D'après moi, c'est gagné, docteur. Je suis contente de ne pas être la seule à comprendre que cette guerre n'est pas terminée. L'existence de cet artefact, qui semble être une sorte de dispositif de communication, soulève la question. Si le sectoïde Alpha était bien le leader, avec qui ou quoi pouvait-il communiquer? Je pense qu'il s'agit bien du même être que nous avons rencontré lors du premier contact. Comme nous l'avons vu, il semble pouvoir se servir de son esprit comme d'une arme. Si nous pouvions examiner son tissu cérébral, nous trouverions peut-être un moyen d'exploiter ses pouvoirs à notre avantage. Mission réussie. Ça a été quelque chose pour mes hommes qui ont fait cette opération. Tout le monde est sain et sauf, bien qu'il y en a quand même certains qui ont failli y rester. Mais enfin, notre snipeuse a réussi à atteindre l'ordre colonel. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à capturer les sectoïdes alpha, ce qui nous aurait sûrement bien arrangé pour les opérations à venir et aussi pour les interrogatoires. Mais au moins, on a récupéré une énorme quantité de ressources et surtout, on a pu faire baisser de 2 barres la panique mondiale, ce qui est très important. Là, nous sommes pratiquement au bleu dans tous les pays du monde, sauf l'Allemagne malheureusement, et il ne reste pas grand chose comme temps pour pouvoir s'occuper du reste sans que nous ayons de gros problèmes liés à la panique. En tout cas, je continue à faire un petit peu de reventre parce que quand même, ça fait un peu mal niveau économie qu'on a dû dépenser pour nous préparer. Mais ce qui est sûr, c'est que au moins on est peinard pendant un temps. Mais ce qui me pose problème maintenant, c'est comment on va faire. Ce qui est sûr, c'est que l'Alliance ne va pas nous envoyer encore de renfort. Toujours avec le problème satellitaire, on n'a pas de renfort depuis quelques jours. Le dernier contact n'était qu'une fausse alerte. Encore un pilote de long courrier qui s'est endormi aux commandes, je parle. Ouais. Du coup, on espère au moins d'avoir assez de fonds pour gérer les futures opérations qu'on va faire. Et on va devoir faire une petite recherche sur la balise hyperonde. Il m'intrigue cette balise. Ça me rappelle une technologie que je connais au front. Mais bon, en tout cas, on est pas trop mal. Même au niveau économique, on est pas trop mal. J'ai demandé à faire une station satellite pour avoir beaucoup plus de satellites en orbite. Bon, ça va prendre beaucoup de temps pour le déployer. Et vu qu'on a assez d'argent, j'ai demandé aussi de faire quelques excavations sous terre. Et aussi créer de nouvelles armes, surtout armes plasmiques. Mais pour l'instant, on va rester concentré sur ce qui est important. Pour les satellites, pour l'instant, ils sont
Les extraterrestres n'auraient jamais pu prévoir que nous réussirions à les handicaper à ce point. Mais ce n'est pas encore fini, évidemment. La lutte continue. Nous devons trouver leurs autres vaisseaux et terminer ce qu'ils ont commencé. Ouais, ça c'est sûr. Ce spécimen est extrêmement dangereux, commandant. Il n'a pas l'air très intimidant, mais ses pouvoirs psioniques sont peut-être le plus grand danger auquel nous nous exposons. Ouais, mais ça pourrait nous être très utile, ça. Bref, du coup, on peut nous faire un psy-lab, ce qui n'est pas une si mauvaise idée. Avoir des soldats psy, ce serait sans doute très ingénieux. Balaisleur, bon, c'est un petit bonus pour nos soldats au combat. Et aussi, réponse morale, ça peut nous être très avantageux pour que nos soldats puissent éviter d'être possédés ou voire même en panique. Ça pourrait nous être très utile. Mais en tout cas, on va se concentrer sur les armes plastiques. Avec le matériel extraterrestre qu'on a réussi à prendre dans cette base, là, on va se faire plaisir. Et le fusil de précision plastique. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le travail que nous avons fourni pour adapter la technologie de l'ennemi fait progresser la science humaine de plusieurs générations. Ces armes, ces abus de science, c'est à nous de prouver qu'ils peuvent servir une meilleure cause. Nous avons payé le prix fort, mais nos efforts n'ont pas été vains. Du coup, on a pas mal de choses à faire. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à faire 2-3 petites choses. Et le fusil plastique en recherche, c'est notre priorité. Pour sniper, nos snipers d'élite ont besoin d'une bonne arme. Impulsions électriques permet aux soldats CEN de désactiver les robots ennemis et d'électrocuter les vivants. En tout cas, nos armures CEN sont carrément optimisées. Là, on va vraiment se faire plaisir avec la technologie qu'on a. On pourrait même se passer de l'Alliance, mais si on doit s'attaquer à une énorme force d'invasion des extraterrestres, là on va avoir besoin des renforts. Et 3 cuirassés vengeurs nous sera sûrement utile. Enfin, de classe Vénateur, je veux dire. Ça va nous être très utile, mais bon. En attendant, on avait envoyé un de nos agents à infiltrer. Pour l'instant, Exalt. C'est pas encore ça, ils pourront nous poser problème encore quelques minutes. Pour le fusil plasmique, évite précision plasmique, ça est vite terminé. Et malheureusement, ça va nous coûter très cher pour la construire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, le côté négatif, c'est qu'on n'a plus du tout de ressources sur les armes. Le sectoïde Alpha est très intéressant, mais je dois avouer que ce dispositif a aussi attiré mon attention. J'ai tout de suite demandé à faire la recherche sur l'hyperonde. Découvrir 2-3 petites choses chez les extraterrestres, enfin, surtout côté spatial, ça va nous être un avantage tactique très important. Malheureusement, on est encore un petit peu en manque de ressources. J'ai fait un petit peu de vente d'alliage alien pour justement vous acheter une arme plasmique. Mais en attendant, on a encore pas mal de choses à faire aussi. Il va falloir qu'on réussisse à tout remettre en place, avoir notre premier soldat psy qui puisse au moins être expérimenté au combat et nous en sortir pour les prochains assauts extraterrestres qui vont arriver. Le pire va arriver, c'est sûr et certain. Pire va arriver.